Eh bien, me revoilà, et ce n'était finalement pas si compliqué que ça. Non, je dis ça maintenant parce que je l'ai trouvé, hein, mais. Oula. Voilà la zone qui m'intéresse grandement, avec ses grands arbres. Oui, bah oui, ce sont des arbres. Oui, là-bas, les blocs d'os dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ici, est-ce qu'on va avoir de la verrue ou c'est de la plante carmin? Comme d'habitude, on est chez limite limite. Alors vous l'aurez remarqué, j'ai pris avec moi un établi, des tonneaux, histoire de remplir. Et puis oui, je me promène, hop là, je me promène aussi avec, disais-je, des pommes dorées. Parce que j'ai toujours en tête de réussir à faire à guérir oh là là, un zombie villageois pour augmenter la population dans mon village. Je vous montrerai ça plus tard. J'ai fait une petite installation et puis bah, donc là j'ai maintenant besoin de pouvoir calmer le jeu, donc de ralentir, créer potion de lenteur pour pouvoir ralentir le zombie villageois et lui faire manger cette pomme dorée. Qui c'est qui me tire dessus? Bonjour toi. Ouais, alors t'as de la chance. Voilà. Ah, mais je peux te renvoyer ta boule, c'est vrai. Tiens, on va jouer à ça. Renvoie ta boule. Poum, dans ta tête. C'est quoi? Oh non, le poudre à canon, ça par contre, non, c'est décevant, quoi. Non, non. Très, très décevant. Encore des larmes, oui, mais non. De la poudre. Bon, alors, toujours est-il que ça, ce n'en est pas des racines carmin, des lianes pleureuses, ce ne sont pas des verrues. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, pas facile. Un bloc de verrues du Nether. Ah, bah voilà. Alors, est-ce que de ce bloc, je peux tirer. Par là-bas. Est-ce que, disais-je, de ce bloc, on peut tirer des verrues? Principe du bloc. Pas du tout. Donc c'est vraiment un bloc. Zut. Bien, je ne sais pas comment faire dans ces cas-là. Très rigolo celui-là. Je crois que voilà, c'est comme les slimes. Tu te laisses faire. Ouais, par contre, faut pas que je touche ici, quoi. Alors, allons voir là-bas. Ça, c'est du carbone. Et ça, si je dis pas de bêtises. Vous entendez ce petit bruit? Bloc d'os. Génial. Bon, je vous disais que je préférais cette couleur-là, mais en fait, non. C'est pas beaucoup mieux que le quartz. C'est juste qu'en fait, j'en avais jamais collecté. Pas spécialement collecté. Vous là-bas, vous m'aimez pas normalement. Ouais, bah là encore moins, parce que vous faisiez rien et je vous tire dessus. Bon, eh ben, ça m'arrange pas tout ça. Cette pioche-là, c'est pour le toucher de soi. Non. Oui, parce que j'ai pris la 2 au lieu de prendre la 1. Voilà. Bloc de verre du laser. Nilium carmin. C'est pas du tout ça. Où est-ce que je vais trouver ma verrue?
C'est reparti et j'ai été donc vérifier les informations nécessaires et il s'avère que les blocs de verrues qui sont ici ne peuvent pas être transformés en verrues et que le seul moyen de récupérer des verrues, c'est de les trouver dans la forteresse. Ouais, là, ici, là. Donc là où j'en ai déjà trouvé quelques-unes. Donc franchement, je crois que là, la solution, ça va être d'aller chercher des verrues à un autre emplacement et les poser sur la terre des âmes ou sur du sable des âmes. Je ne sais plus. Bon, de toute façon, l'un comme l'autre me demandera éventuellement de revenir par ici. Mais bon, voilà. Donc là maintenant, le but du jeu, c'est de ressortir d'ici et de trouver un portail qui va me guider en fait jusqu'à... Oh punaise, puis alors, je prends n'importe quoi. Jusqu'à l'habitation où je sais que j'ai ce qu'il faut, donc à savoir des verrues du Nether en production. Allez, c'est reparti pour une ellipse. Génial. Du sable des âmes, il y en a ici. Et ben on va directement le prendre. Je suis presque ras la goule de tout ça, mais c'est pas bien grave. On a ce qu'il faut ici. Et ce dont j'ai besoin se situe tout là-bas. Allez, on repart en accéléré. Go! Affichage que j'avais eu s'est propagé jusqu'ici et donc comme vous pouvez le voir tous les terrains où il y avait c'est extraordinaire quand même tous les terrains où il y avait une terre aplatie avec la pelle voilà et ben ils ont tous disparu mais c'est dingue parce que c'est pas partout. Ici ça l'est le cas mais pas partout. Bon allez c'est pas grave, je reviendrai faire le ménage là-dedans. Ça fait des gros chemins, c'est pas très beau mais c'est comme ça. Ah bah non là il n'y a plus. Oh, c'est quoi ce délire? Voilà, ça avant c'était partout ici. On voit bien le chemin qui a été tracé. Bon tant pis, hein. Cherchons pas trop à comprendre. Ce qui nous intéresse, c'est là. Et si on peut le collecter avec une pelle qui a fortune, éventuellement, ça va nous rapporter 5 verrues à chaque fois. Est-ce que c'est le cas? Peut-être même un peu plus. Donc je vais les replanter ici, de toute façon. J'ai mes 4. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà fait quelques expériences. Et là, j'ai encore aussi des éléments.
Et donc on va s'équiper de tout ça. Voilà, des verrues ici, 17, 27. On va en prendre 20 ici. Pierre lumineuse. Je n'en ai pas récupéré. Voilà, membrane de fantôme, ça pourra servir aussi. Qu'est-ce que je vais laisser? 17 bâtons de blaze. Oui, c'est un peu le ménage, quoi. Hein? Les racines carmin, ouais, j'ai envie d'en garder quand même. Des blocs d'os, on va en mettre ici. Donc les blocs de verrue ne vont pas me servir. Le nilium, je me disais que ça pouvait éventuellement me servir pour le champignon biscornu. La côtelette de porc, c'était la bestiole, la sorte de facochère que j'ai trouvée. Mais on n'en a pas besoin là. Le cuir, je vais le poser ici. C'est compliqué parfois. Ça, on va en reprendre. Voilà, je disais des champignons, du sucre. Je crois qu'on en a besoin aussi. Oh, c'est vraiment le bazar là, dans mes affaires. Et ici, on a donc des potions de soins, de rapidité et de lenteur. Ah bah voilà, j'en ai au moins une ici. Potion de lenteur, potion banale sans effet, donc ça c'est des ratés aussi. Potion de soins jetable, ça pourrait servir pour les chiens. J'ai noté aussi qu'on pouvait utiliser ces potions de... Potion banale, oui. Ces éléments-là, on pouvait les utiliser ailleurs. L'arme de Ghast, j'en ai ramené, je les ai laissées où ? Je commence à avoir des doutes. Ça, j'ai dit que je les prenais, mais je ne sais pas où et par quoi remplacer. Ça m'ennuie, là. Ça m'ennuie carrément. Hop. Pas du tout. Et pas du tout. C'est franchement trop le bazar. Il me faudrait un sac plus grand. Les tonneaux. Voilà, allez, on va laisser les tonneaux ici. Ça me permet de gagner de toute petite place. Non, ici, on a dit pastèque scintillante. La poudre, ça on en aura. Boule de feu, on en aura. Le quartz, j'en ai rien à faire. Membrane, j'en ai pris. Carotte dorée, je pourrais en fabriquer. Bâton blaze, là, il y en a quand même 17, quoi. Eh ben, on verra bien. Je vais quand même juste vérifier ce que c'est que ça. Donc, c'est bien du sable. Soul Sand. Donc, c'est bien celui-là. Impeccable. Bon, allez, maintenant qu'on a l'équipement, oui, je pourrais dormir ici et repartir en plein jour. C'est peut-être pas plus mal quand même. Allez, un petit dodo ici. Et on repart. Wow! Au réveil du creeper. Punaise, il y a du monde. Ah oui, puis alors là, bah tout ça va reprendre ses petites couleurs vertes. Vous avez vu tous les creepers là? Non mais là c'est. Ils m'attendent, c'est pas possible autrement. Des fois ce sentiment là aussi avec l'Enderman quand on tue une première fois. Il n'y a plus une seule abeille ici. C'était plein ici. Punaise, c'est pas vrai. Ah ouais, j'avais. Oh là là. J'ai tellement de choses en tête. Oui. Les abeilles adorent le tournesol. Et le tournesol, ça j'en ai pas du tout, là où j'en ai réinstallé.
Pouf, pouf, pouf. Ah, les fioles, c'était pour quoi? Oui, c'était pour collecter du miel. Bon, regardez-moi ça, il y a des creepers partout. On va aller faire un petit tour là-bas. Et donc, quand tout va redevenir vert, là, ouais, en fait, ça sera pas si moche que ça. Ah, si! Oh, Burk! Ah, ouais, mais non, ça c'est dégueulasse. Oh, pff. Ouais, mais non, là c'est plus cohérent en fait. Aïe, 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 aïe. Oh, ouais. Gros bug d'affichage. Alors, pourquoi ce bug d'affichage? Ben, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu une mise à jour 1.16.5, je crois, si mes souvenirs sont bons, et que j'ai lancé ma partie sous cette version-là, sans avoir fait spécialement attention au fait que bah, j'étais pas du tout sur ces versions-là. Moi, j'utilisais en fait des versions où j'avais la RW, donc la snapshot, et donc ça a fait un gros bug. Un gros bug qui se répercute, mais en fait pas énormément, non, c'est pas énormément grave, hein, mais vous avez pu le voir. Quand j'ai redémarré mon système, le premier truc c'est que j'avais plus aucun animal. Voilà, là ces flèches de lenteur là, je les prends. Donc je n'avais plus aucun animal, alors vous imaginez bien que pour moi c'est très compliqué de me dire que d'un coup je n'ai plus mes chiens. Mais non seulement je n'avais plus les chiens, mais je n'avais plus du tout non plus d'animaux enfermés dans les enclos. D'ailleurs, bah si, on a vu les cochons tout à l'heure. Donc voilà, donc le type, les cochons ils sont au bord de l'eau. Donc plus rien comme ça. Et puis bah, le plus flagrant, en fait, la disparition donc, de ces sentiers, de ces chemins pelletés. Aplati, voilà. Donc ces chemins qui donnaient un sentiment très sympathique. Oh putain, bon là c'est pas violent, mais il n'empêche. Et donc voilà, et donc là vous pouvez voir qu'ici il y en avait partout. Et donc maintenant c'est de l'eau. Ça va me demander du taf de passer des heures à tout remettre en place. Parce qu'en fait la problématique principale, il y a un bloc de terre là-haut. La problématique principale, bah c'est bien sûr qu'il faut aller chercher cette terre quelque part, et donc il faut aller creuser à certains endroits pour la remettre à d'autres, et bah parfois creuser juste pour creuser, donc faire une carrière dans un coin, c'est moche, c'est tout simplement moche. Donc quand on joue un petit peu avec l'esthétisme du jeu, bah on se dit qu'on va pas le faire avec nous. Voilà, je vais pas m'amuser à faire une carrière en plein milieu du jeu, là où je passe habituellement, et ça va m'énerver en fait de voir cette carrière quoi. Donc faut trouver un lieu un petit peu à l'écart, ce qui veut dire qu'il faut se déplacer, ça prend du temps, enfin voilà. Mais je me ferai ça, je m'organiserai ça, un jour où il fait pas beau, où il pleut, il fait froid, je peux pas sortir, et ça sera l'occasion de le faire. Allez, on repart en accéléré, maintenant que je vous ai expliqué le pourquoi du comment de ce bug visuel.
Et nous voilà enfin arrivés. Bouh, bah dis donc, ça aurait été long, hein. Alors, voilà, ça sera ici, dans ce bâtiment, que je vais installer la culture. On va la mettre par ici, là, ça sera pas mal. La culture de verrue qui aurait fait donc tout cet épisode, hein, tout simplement. Voilà, alors, hop, hop, hop. Ouf. Allez, on se débarrasse un petit peu de tout ça. Les champignons, ça sera pour un prochain épisode. Les verrues, bah, je vais les remettre dans la partie préparatif là-bas. Voilà. Là, non, l'argile, par contre, je n'ai pas spécialement besoin. Ça, on a dit qu'il y en a peut-être besoin. La pastèque. Le sucre. Alors, le sucre va être utile avec l'œil d'araignée et les champignons. On a dit donc les verrues. Les flèches de lenteur, ça nous servira éventuellement. Tout comme ceci, ça sera pour les chiens plus tard. Allez, je termine tout ceci en accéléré pour finir de préparer ici. Et puis, on se retrouvera dans un prochain épisode. À bientôt! Enfin, ces verrues du Nether, si je pouvais grimper sur le lit pour faire une petite capture d'écran, ce serait pas plus mal. Allez, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, certainement tourné autour de la fabrication de ces satanées potions. À bientôt!